Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein? Alors bonjour et bienvenue à Disparatidio. Aujourd'hui, on reçoit un invité un peu spécial. C'est un artiste local, une bijoutière qui vient de Beauharnois. Alors on invite sur le plateau Jessica Paquin! Yes! Salut Jess! Salut! En forme? Oui? Ouais, cool. Tu peux t'asseoir? Oui. Ouais, juste là. Juste dans le fond sur le divan, on a mis ça. C'est bien fait. Ouais. Fait que, c'est toi qui as fait toutes ces affaires-là. Là. Oui, oui, c'est ma collection printemps-hiver. OK. Je vais vous en présenter. Ça, c'est des colliers là-bas. Là. OK, fait que tout ce qui a l'air des colliers, dans le fond, c'est vraiment c'est, des colliers. C'est okay. Des colliers. Cool. Ils sont en vente. Après, j'ai un bout de côte de maille. Oui. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'accrocher comme une cravate. Okay. Ou bien vous pouvez le mettre sur votre cœur, comme ça, s'il arrive quelque chose, ben vous êtes protégé contre tout imprévu au cœur. Mm-hmm. J'imagine quand tu dis quand il arrive quelque chose, c'est une attaque flèche, de chevalier, oui, toutes des affaires qui arrivent bien, quand même. Oui, j'avais une demande. J'avais une demande, donc j'ai respecté la demande. Parfait. Bon, ça, c'est pas pire. T'as des affaires sinon qui sont... J'ai des trucs qui sont pas sur la table. OK. Ça, c'est... Oui. C'est ma dernière création. Donc, c'est un bracelet en l'honneur de mon grand-père qui est décédé cette année. OK. Il est mort de quoi? Du cancer généralisé. Ah, c'est plate, ça. S'il avait porté ça, par exemple, ça n'aurait peut-être pas arrivé. Mais c'est ça. Au moins, le cœur aurait été sauvé. Ouais. Mais non. Je l'ai fait. Ça va être en vente pour 10 000 $ parce que c'est sentimental. OK. 10 000 $ c'est quand même... Ouais. C'est vraiment pas beaucoup pour ce que mon grand-père était pour moi. Mais c'était en son honneur, hein? Fait que 10 000 $ on comprend c'est qu'il était riche, mais pas très joli. Puis... je t'ai fait quelque chose parce que t'as accepté de m'inviter. T'aurais pas dit. Je t'ai fait un collier. Ah! Oui, avec ton nom et tout, là. Brun. Oui, comme okay. C'est fait en bois d'acajou. OK, puis j'étais obligée de le porter. Parce que ça porte malheur de ne pas porter les colliers à notre nom. Donc, je te le mets pour tes succès futurs. Merci. Donc, un petit peu petit, hein? Non. C'est parfait, c'est fait comme ça. Parfait. J'ai remarqué, c'est les trompes de Fallope qu'il y a dessus, par exemple? Ah non. Ça a l'air des trompes de Fallope. Ben non. Je ne mettrais pas des trompes de Fallope sur un collier. Moi, je pense que c'est des trompes de Fallope. Ça donne très, très bien parce que les trompes de Fallope, on sait que c'est un organe reproducteur très commun chez l'homme, hein, qui se situe juste ici, en dessous du stérilet. Et ce que ça fait, OK, c'est que ça, c'est un organe qui est en dormance, un peu comme un volcan, et ça l'attend la transfusion de sexe. Là, mettons que tu transfuses de sexe. Mettons, je veux devenir une femme. Et... OK! Assis! OK, garde, ça va bien aller, OK? C'est une prise d'otage, OK? Une prise d'otage. Oui, garde, le but, c'est pas de faire mal à personne. Le but, c'est juste que j'ai un message à passer puis j'ai besoin de tes codecs pour le faire, OK? OK, votre... Qui est excellent! OK, je suis dans la merde. À qui je parle, là? Lequel qui me regarde? Ah, n'importe lequel, OK, tout va bien se passer, OK? Je suis pas là pour faire de la merde. C'est juste que j'ai comme un peu besoin d'aide, là. Puis je savais pas vers qui me tourner. Fait que ça me semblait être la meilleure solution, OK? Je te promets, ça va bien aller. OK, il y aura pas de problème. Les gars, pour vrai, c'est mon anniversaire. Mais là, vous étiez pas obligé de me faire ce cadeau-là. Il est excellent. C'est qui a engagé ça? Calisse, toi! Bon, ben à la maison, c'est pas une farce, c'est une vraie prise d'otage. Ouais! Quand je reviens d'une grosse soirée, moi tout ce que j'ai envie c'est de manger. J'ai un gros creux, j'ai faim comme un homme. Je veux n'importe quoi sauf des calices de tranches de pommes. Je veux un sundae pis des croquettes. Donne-moi en vin, j'suis pas une femmelette. Je veux le burger et quatre galettes. Je veux un autre caissier, t'es trop laide. Je veux un cornet trempé dans la boîte. Je veux un rap qui porte une casquette. Je veux des biscuits aux allumettes. Je veux une franchise, je vais te faire un chèque. Je veux une poutine qui trempe dans le jus. Je veux des frites avec du sel dessus. Du bacon pis ça continue. Et de la pizza, vous en faites-tu? Je veux faire le tour de ton menu. J'ai tellement faim que je me peux plus. Donne-moi de la bouffe, je vais mettre tout nu. Je veux deux chaussons, me mettre dans le cul. What?
Quand je reviens d'une grosse soirée, moi tout ce que j'ai envie c'est de manger. J'ai un gros creux, j'ai faim comme un homme. Je veux n'importe quoi sauf des calices de tranches de pommes. Manger des pommes dans un fast food, ça met dans un drôle de mood. C'est comme aller dans une boucherie pour acheter une branche de céleri. Quand je reviens d'une grosse soirée, moi tout ce que j'ai envie c'est de manger. J'ai un gros creux, j'ai faim comme un homme. Je veux n'importe quoi sauf des calices de tranches de pommes. Alright! Oh, plus jamais! Bon, fait que là à la maison, je viens d'apprendre que c'est pas une joke, hein, c'est une vraie prise d'otage. Et pendant le sketch, mon ami Martin. Avec un fusil. C'est pas mon nom, c'est Victor! Victor, avec un fusil, m'a expliqué pourquoi il était ici un peu, puis je pense que je vais lui laisser un petit peu de temps d'antenne pour qu'il puisse vous l'expliquer à vous autres aussi à la maison. Vas-y, Victor. Okay. Faut que je parle à quelle patate? Celle dans le milieu ou celle à gauche? C'est comme tu choisis. Okay. C'est ça, l'affaire, c'est que je m'appelle Martin, puis ça fait comme 11 ans que j'ai pas payé mes impôts. Apparemment, j'ai reçu une lettre qui me disait que j'avais comme 27 000 au gouvernement, puis je n'ai pas cet argent-là. Il a fallu que je vende ma maison la semaine passée, puis j'ai rien, là. J'ai vraiment rien devant moi, fait que j'ai comme besoin d'aide, en fait. Martin? Quoi? Martin. C'est qu'il y a, là? Non, mais je veux pas t'empêcher de faire cette affaire. C'était excellent, c'était très bon. C'est juste qu'on me fait signe qu'on t'entend pas parce que t'as pas de micro. Fait que ça va, là. Je vais t'en installer, bouge pas. Comme ça. Dégage, là! Oui, ça sera pas long. Tu t'es entendu à météo un matin, à ce qui paraît, il va faire fret le restant de la semaine. Hein? T'as-tu envie que je te repousse encore, toi? Non, non, c'est cool. Un bureau de pété se passer. Ouais. Assis! OK. Juste à passer au maquillage, puis après ça, tu vas être prêt. Faire le maquillage, je suis beau de même. Bon, correct. Vas-y. OK. Test. C'est bon, ça? Okay. Oui, vas-y. En fait, c'est ça, c'est que je dois 27 000 piastres aux impôts, OK? Puis je ne l'ai pas, cet argent-là. J'ai rien, là, OK? J'ai besoin d'aide, là. Fait que tout va bien se passer si vous me donnez ce que je veux. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un du gouvernement m'appelle, OK? Je vous laisse mon numéro de cell, je l'ai avec moi. C'est dans le 438-919-4539. Appelez-moi. Je veux juste parler à quelqu'un qui va effacer ma dette, puis il se passera rien, OK? Autrement, si je reçois pas d'appel, je vais faire une connerie, moi, ici, là. OK? Fait qu'appelez-moi. Là! Excuse Victor, c'est juste qu'on n'est pas en direct, fait que ça... Quoi? Ça va pas marcher, là, l'affaire de l'appel, mais ça aurait fallu que tu me demandes en premier. Non, ça, on n'est pas en direct, c'est quoi, là, l'affaire? Mais ça va juste être diffusé en mars, c'est comme ça. Hein? C'est-tu la première fois que tu fais ça, ou... Fuck. Ben oui, c'est la première fois que je fais ça, j'ai... Oh. C'est sa première fois! C'est cute! Oh, on se souvient à la maison, hein, la première journée quand on commence un emploi puis qu'on arrive. C'est tout le temps un peu stressant, mais il y a une belle magie puis je suis content qu'on vive ça ensemble aujourd'hui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au prochain sketch puis peut-être qu'au retour, je vais pouvoir te donner des petits conseils pour que tu t'améliores. Oh, pas un sketch, j'ai pas d'affaire d'aller voir un sketch, là! T'as une situation de crise, là! C'est quoi l'affaire des sketchs? On a une subvention pour le prochain sketch, c'est pour les enfants, puis ça nous donne de l'argent à nous autres. Ok, tout de l'argent, mais tu passes des sketchs avec des quoi? Ça t'a des humoristes, genre, des affaires de même? Ben oui, c'est des sketchs. Tu te passes des sketchs? Ouais. Puis moi, l'argent, je le prends où? Ben je sais pas, peut-être un métier ou. Je veux une cote. On peut pas. 10% de ton sketch? Non. 15% de ton sketch? Non. On va passer. Je peux pas donner une scène. Hello.
Bon, fait que premier conseil, moi, je te suggère de ne pas viser un peu n'importe où, mais vraiment plus la tête ou le cœur. Puis là, on sait que sa cote de maille, elle apporte pas, fait que je te suggère le cœur. À part de ça, sinon, c'est que le gun, je trouve ça peut-être un peu gros, hein, encombrant. Ouais. Tu pensais au couteau? Ah ouais, non. C'est ça, voir. Bon. Il était vide, le gun. Ah ouais, pas vrai? Okay. Ça, c'est plus versatile. Tu vois, c'est ça, très agile. Okay. Tu peux l'essayer même, si tu veux. Rapproche-toi un petit peu. Pique là, elle va devenir plus docile. Non. Juste la piquer avec, ouais. Avec la poigne. Vas-y ici, là, dans le bout, parce que c'est pas trop important là, dans les organes. T'as-tu une place préférée? Nulle part. OK. Excuse-moi. Je l'essaye, OK? Bouge pas. Ah, ça, c'est le téléphone, c'est bizarre. Je vais entendre. Oui. Allô? C'est la police. Hein? Vous voulez y parler? C'est Claude Poirier? C'est un négociateur. Tu veux parler? Ouais, non, il... Je pense que je serais mieux de prendre ça, là. Mais j'ai une petite base en philo, j'étais allé une demi-session au cégep, puis... Je vais m'asseyer, OK? Si vous voyez que ça tourne pas bien, vous rappellerez. Oui. Merci, bye. C'est un Kasumi, ton couteau. Ouais, faut vrai, ouais, ben, je l'ai acheté... J'en ai un même chez nous. T'es sérieux? Ben, je pense que c'est le même, en fait. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai, puis il coupe encore comme le premier jour. Aussi, c'est fou, là. Effrayant. Il passe dans de la viande comme rien. Tu vas voir tout à l'heure, ça coupe de même. Ah. C'est bon, c'est des bons couteaux. Je l'avais acheté sur Mont-Royal, moi. Ouais, ben moi aussi, exactement. Ah, ouais. La grosse place, là, couteau compagnie, c'est vraiment une belle place. Hey, ils en ont beaucoup de couteaux là-bas. C'est 40. Moi, je rentrais là, j'en venais pas. J'allais même pas m'acheter un couteau. Je rentrais là parce que j'avais envie de magasiner, puis je suis ressorti de là avec 4 couteaux. Mais le vendeur, il est fort en même temps. Il est convaincu de n'importe quoi. Ah, c'est cool ça. Alors, on va peut-être passer un sketch, puis je serais curieux. T'as-tu une couple de recettes tout à l'heure? Un papier quoi, comme ça? Ah, ouais, non, je suis bon, là. OK. Tu peux-tu? Tasse-toi un peu, là. Ah, OK, cool. J'espère que ton sketch va être meilleur que l'autre. Ouais, tu. Il y avait une couple de questions à propos de ses bijoux, mais entre toi et moi, on va encore lisser un peu. OK. Ah, c'est vrai. Maintenant, j'ai éclaté une couille avec mon coup de bâton. Ça, c'était pas vrai. Ah, t'as vraiment donné une mauvaise pénalité à un moment donné. Excusez-moi, les gars, est-ce que je peux vous demander les directions? Ouais, pas de trouble. Tu cherches quelle rue? Je cherche pas une rue, je cherche la planète Terre. Ça, c'est drôle. Non, les gars, c'est super sérieux. On est où exactement ici? À Châteauguay. Au Québec. Canada? Amérique du Nord? Ou planète Terre? T'as dit planète Terre? Yes! Je l'ai faite! On a réussi, les gars! OK, vous comprenez pas, hein? C'est parce que je suis scientifique, puis avec des collègues, présentement, on travaille sur une machine à téléportation. OK. Tu travailles pour une agence secrète, genre? Non, du tout. Je travaille pour une compagnie privée dans une petite ville à 3 km de Gigoru. Gigoru, c'est où, ça? Aknalit. Uzurek. Morgul. Planète Twink. Non? Mais j'ai un chalet sur Pluton, peut-être. Ah, ça, je sais, c'est ça, quoi. C'est cool, ça. Un chalet sur la planète Pluton, ouais. Correct. C'est, depuis que vous considérez plus que Pluton, c'est une planète, mettons que la valeur des maisons a vraiment baissé. Moi, j'ai voulu leur vendre mon chalet, faire une passe de cash. Pas été capable. Pas très cool. Ah, désolé, man. C'est pas grave, correct. Sinon, vous autres, vous mangez quoi? Pas des terriens, j'espère. Mais non, on mange pas de terriens. Non, c'est rempli d'agents de conservation puis d'OGM. Ça, c'est pas bon. Non, même que je travaille sur devenir végétalien, ce temps-ci. Ah! Ouais. Des légumes, tout? Ouais, des carottes, des piments, des olives. Pareil comme nous autres! Oui. On a ça, des olives, nous autres avec! On est pareil, dans le fond! Hey, on est pareil, les gars, on est pareil! On est pareil! Ouais, pareil! Cool, mais sinon... Les autres ressemblances, ça ressemble à quoi ton quotidien, mettons? C'est assez routinier. Tu sais, le jeudi, j'ai ma ligue de quilles. Samedi, je vais porter la petite à ses cours de piano. Dimanche, en famille. OK. Ouais. C'est hot. Puis vous, la vie sur Terre? Ben moi, j'étudie en cinéma, puis lui, travaille au McDo. McDonald's, ouais. Au McDo? Ouais. Tu travailles au McDo? Ouais. Hey, nous autres, notre planète, on donne un nom aux gens qui travaillent au McDo. Ah ouais, c'est quoi? On les appelle les « losers ». Nous autres aussi, on dit ça. Ah ouais? On fait ça. OK, c'est bon, on va y aller, nous autres. Puis, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, sur ma planète, quelques personnes parlent français, mais la plupart parlent l'anglais. Ah, c'est comme nous autres. Nous autres, ouais. Pareil. On est pareils, les gars! Ouais. Ouais.
Bon, ben, on va y aller, nous autres. Oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Hein? Hey, en tout cas, ben, merci pour les directions, les gars. Pas trop. Bye, bonne journée. Ah, ben, salut. Hey, méchant weird. C'est fucké. Ouais. Fais juste maintenant ça, je vais prendre les clés. Hein. Merci, Joe. Viens, on va voyager. Bon, fait que mon Victor... Tu peux m'appeler Martin, pour vrai. OK. Ouais, mon nom, c'est Martin. C'est juste qu'au début, je voulais pas trop, tu sais, qu'on me reconnaisse. Ah, oh, j'aime ça. Ça tombe plus friendly en même temps. Ouais. C'est chouette. J'avais un... Mes amis s'appellent Mart. Mart? OK. Hey, mon Mart! On ferait un barbecue à un moment donné. Ouais. J'avais un petit questionnaire pour Jess ici. Hein? C'était un questionnaire sur les meurtriers, par exemple. Pas certain que t'aurais aimé ça. Ouais. Mais là, avec ta présence, là, je pense que ça va être cool. OK. Première question, c'est qui ton tueur préféré? Oh, ouais, c'est une bonne question, ça. Écoute, je te dirais peut-être Dexter. Bon choix. Ouais, je suis un gars bien organisé. Tu sais, le fait qu'il compartimente ses affaires dans des sacs à vidange, je sais pas, on dirait que ça me parle, ça. Ouais, peut-être que Dexter, j'aime bien l'eau dans la vie. Tu sais, j'ai un bateau, oui. j'ai un yacht au chalet, Mané. Ouais. Puis, c'est ça, je trouve ça, il y a toujours quelque chose de. Tu sais, Mané, c'est. En tout cas, je sais pas, je trouve le gars qui il est bien bon. Ouais, quand même. Bien Dexter aussi. Ben, très bonne réponse, très bonne merci. Réponse. J'ai une autre question, choix de réponse par exemple, celle-là, OK? Réponds pas trop vite. Si t'avais étranglé quelqu'un, okay. Oh boy. Qu'est-ce que tu utiliserais? A, une corde de piano. B, un collier fait en nylon. Ou C, tes propres mains? Ah non, pas mes mains, c'est sûr. Je suis pas manuel, puis c'est sûr, c'est super salissant. Je pense que je dirais que le collier. Okay. Un genre de collier en nylon, comme pour ben, choqué, là, j'imagine. C'est un très mauvais choix. Pourquoi? C'est-à-dire? Ben, un collier en nylon. Premièrement, personne fait ça, c'est laid en esti. Puis, c'est extensible, hein? C'est plus pour des leggings ou un One Piece, là. Fait que l'air va passer. Moi, je le ferai avec un fil de fer. Un fil de fer, puis ça. Ça. Hey, je sais pas si c'est le bon moment, là, mais. Ça va aux toilettes? Là? Ouais, j'ai comme un peu envie de pisser. Oui, tu peux y aller. Ouais, c'est correct. Ouais. OK, c'est où? C'est en haut, deuxième étage, première porte à droite. OK. Tu peux me laisser ça? Ouais, juste peut-être. Ouais, pas qu'elle bouge. Peut-être juste assurer de. Fait que en haut? Ouais. OK. Au cas. Parce que jamais ça. À tantôt, là? Ouais. OK, mais là, on peut s'en aller. Ben non. Ben non, si on s'en va, lui, il va redescendre en bas puis il sera pas content. Ben c'est pas grave, ça. On va être en vie. Ben ouais, mais là, je veux pas le décevoir. Je viens juste de le rencontrer, là. Il y a un yacht, t'as-tu entendu? Ben oui, mais qu'il vende son yacht, il va l'avoir son 27 000 piastres. C'est vrai que c'est pas fou, ça, mais moi, j'aimerais ça faire un tour de yacht en même temps, tu sais. Alors, on va rester, là. Come on. On va passer un autre sketch. Ça va bien aller. Alors, re-bienvenue, mesdames, à une nouvelle édition de Chandelle et Compliments. Je suis toujours accompagné de mes trois amis. Anthony. Salut. Manuel. Salut. Et Sam. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial parce que c'est l'anniversaire d'un des membres de notre équipe. C'est la fête à Anthony! Anthony! Félicitations! Joyeux anniversaire, Anthony! Merci. Hey, bonne fête! Hein, alors, à Chandelle et Compliments, on a une tradition. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, ce qu'on fait, c'est qu'on le bombarde de compliments. On a préparé chacun des compliments. Une liste pour toi. Alors, prépare-toi, ça commence maintenant. Gentil, poli, jovial, joli, intéressant, trop sensible, énergique, aimable, loyal, taquin, modeste, brave, gossant, bon, raffiné, prudent, réfléchi, propre, sage, disproportionné physiquement, vivant, sociable, volontaire, sincère, unique, serviable, naturel, tolérant, organisé, malin, passionné, logique, optimiste, joyeux, mature, humain, lucide, infatigable, joyeur, farceur, surtout indulgent et fidèle, ferme et expressif. Vraiment laid. Comment tu te sens?
Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Oui? C'est vraiment extraordinaire. Je sais pas si. Attends un peu avant de dire le plus beau cadeau parce qu'on a aussi. Non. On a des cadeaux! Non, des cadeaux! Non, les gars, ça, on s'était dit qu'on s'en donnait pas. C'est... Ben là, n'importe quel ami achète des cadeaux à ses amis. Moi, je t'en ai pas acheté. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Ah, j'avais pas l'intention de t'en acheter non plus. Au moins, t'es là. Ouais. Mm-hmm. Bon, alors, moi, mon cadeau, c'est ici, c'est une carte. Le cadeau est écrit à l'intérieur. Elle est assez belle. Non, wow. C'est... On a laissé passer pour deux. On sait pas. Tu vas pouvoir ramener ton frère. Ouais. Non, je pourrais pas. Ah. Pourquoi? Mon frère, il est tombé malade. Hein? Ça fait une semaine qu'il... Il peut pas sortir de chez lui. Toute sa famille est prise à l'intérieur. Ça bouge plus. Plus rien. Je trouve ça assez plate. On dirait que le malheur tombe toujours sur mon frère. Comme si il y en a qui sont nés pour une bonne étoile, d'autres non. J'aimerais ça, pour ma fête, si je pouvais pas juste prendre sa place, qu'il puisse vivre des bonnes choses. Wow. Ça, c'est impressionnant. Des fois, Sam, tu devrais prendre exemple sur Anthony. Hein? Ah, ben oui, pleurer parce que mon frère a la grippe. Je pense pas. Je sortirai pas le coussin, mais je le regarde et je veux que tu saches qu'il est là. Désolé, Monseigneur. T'as quelque chose aussi? Ouais, moi aussi, j'ai un petit présent pour toi, Anthony. C'est pas grand-chose, là, mais... Manu. C'est de la confiture de piment. Oh, ouais, j'aime trop! C'est mon fils qui l'a fait dans son centre correctionnel. Ah, tu l'as placé dans un centre, finalement. T'as pris la décision de... Ah non, c'est pas moi. C'est les autorités qui ont décidé. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Il était 7 policiers dessus. Il a fallu qu'il appelle l'escouade canine, 3 fléchettes paralysantes. C'était spécial. Tabarnak! À 7 ans, c'est là que tu es en croissance. C'est pas facile là, à ce moment-là. Là. C'est normal. J'étais turbulent à cet âge-là, moi aussi. Je le comprends. Ce soir-là, il avait juste dormi 7 heures. Fait qu'il était un peu plus tannant. Ton gars, c'est le démon. Hein. Tu le remercieras. Oui, certain. Bon. Alors, on a terminé ce segment-là. On va passer au prochain, la découverte de la semaine. Anthony, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que tu as découvert cette semaine de ton côté. Je crois que c'est vous qui me l'avez fait découvrir. L'amour, c'est plus fort que tout. C'est beau, ça. Je vais faire un peu du pont sur ce qu'Anthony vient de dire. Moi aussi, c'est en lien avec l'amour. Parce que j'ai comme réalisé qu'il faut vraiment avoir un amour inconditionnel envers ses enfants, même si... sont un peu tannants. C'est vrai, ça, les gars. Sam? Moi, j'ai découvert que le char à ma blonde, l'antidémarreur, c'est tu tournes le steering au bout, puis tu mets le pied sur le frein. OK. On peut le partir. C'est un peu en lien avec l'amour, c'est sa copine, c'est ça. Ah non, ça achève. Bon. Bon, ben on va aller à une petite pause, hein? Et au retour, on essaie pour vous des séparateurs d'orteils. OK, ouais. Je vais checker ça. Et mauvaise nouvelle, ils veulent vraiment qu'on sorte, là. Shit. En même temps, ils ont dit soit que vous sortez, soit qu'on rentre. Et là, le ménage est pas bien fait, là, fait que... Non, je comprends. Mais là, shit, je m'en sortirai jamais si je sors d'ici, là. Mais check, j'ai peut-être quelque chose à te proposer, OK? Je pense pas que toi, t'es excellente comme otage, OK? Sans offense. Mais si tu me prends en otage puis on sort, moi, je vais pouvoir te donner des conseils. Il y a plus de chances que tu t'en sortes, là. Ah ouais? Ouais. Tu ferais ça? Ouais. T'es smart. OK, on fait ça? Ouais. Parfait. OK, fait qu'on va sortir. On s'en vient. Merci. Hey, tu me passerais-tu ta code de mail? Au cas où. D'accord. OK. Merci. Eh, hey, tiens. C'est pas à moi. C'est le. Je le ramène. Si tu. Pense en avant. OK. Salut. Salut. Excuse-moi. C'est correct. Thank you.
Bon. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Fait que ta passion, ça a commencé quand environ? Est-ce que ça va? Moi, oui. Lui, je suis moins sûr. Je connais pas beaucoup la police, là, mais quand il dessine autour de toi avec une craie, c'est bon ou mauvais d'habitude? Ça dépend pour qui. OK. T'as-tu d'autres bijoux, sinon, que tu pourrais peut-être nous montrer? Oui. J'ai une bague nouveau genre. Ah, c'est plate, ça. Comment ça? Je pourrais pas faire de yacht, finalement. Je viens d'y repenser. Oui, ta bague. Continue, excuse. Ça m'intéresse. C'est une bague comme ça. C'est... ça pendouille. Oh, ça pendouille. Il y a aussi le collier là-bas qui a volé. Là, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais lui, il a été fait en Chine. OK, mais c'est pas toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais je suis allée en Chine pour le faire. OK. Et puis ton espèce de petit sac ici, ça, c'est toi qui as fabriqué ça? Non, c'est ça. Je l'ai juste acheté à la pharmacie parce que j'avais besoin de quelque chose pour transporter mes choses. Mais je viens d'ouvrir une boutique avec pignon sur rue. C'est sur la rue principale à Beauharnois. OK, excellent. Donc, pour les gens qui ont besoin de colliers, vous pouvez les essayer. Si ça ne vous fait pas, vous n'êtes pas obligé de l'acheter.